Merci Cyrielle. Bonjour à tous. Nous voilà réunis pour le mythe individuel du névrosé. Je vais donner je vais vous présenter chacun avec l'ordre de parole prévu. Et puis effectivement, il y aura des moments de coupure où on pourra discuter et où vous pourrez aussi prendre la parole. Alors d'abord Cyrielle Weisgerber. Notre grande prêtresse qui organise ça finalement est de main de maître. Donc merci Cyrielle. Tu auras, la parole la première. Donc je ne sais pas s'il y a encore à te présenter, psychiatre, psychanalyste et bien connu maintenant dans ce séminaire. Ensuite, Jean-Richard Freeman, faut-il encore le présenter, notre chef de file finalement et qui prendra la parole, psychiatre, psychanalyste, j'ai envie de dire. Tout le monde, vous le connaissez. Martin Roth sera le troisième, psychiatre, psychanalyste aussi, et il prendra la parole en troisième et nous ferons après une petite coupure pour discuter. Ensuite, Yves de Christé, psychiatre, psychanalyste à Colmar, je vais préciser, hein, puisque tu es l'excentré du groupe là aujourd'hui, et psychiatre, psychanalyste, je ne t'entends pas, tu voulais intervenir ? Ah, ton micro est coupé. Voilà, c'est bon. Tu voulais dire quelque chose ? Non, je disais comme tout le monde aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Ensuite, Guillaume Ridelin, psychiatre, psychanalyste, nous connaissons bien ici aussi. Michel Patrice, qu'on ne présente plus non plus, chef de file aussi, bien connu de la FEDEPSY, psychiatre, psychanalyste. Et enfin, Philippe Lutin, qui est directeur d'Apertura et qui nous parlera d'ailleurs des formations et qui, tout comme moi, interviendra à certains moments. Voilà, je te passe tout de suite la parole, Cyrielle, et je vous souhaite un bon séminaire à tous. Oui, merci Liliane. Donc c'est moi qui... démarrer les choses aujourd'hui. J'ai la place assez confortable de faire l'introduction. Alors, je vais quand même dire quelques mots sur le fait de faire ce premier séminaire en direct. Il y a 2 semaines, on a enregistré un premier séminaire en vidéo. Donc là, cette fois-ci, c'est sans filet. Hein. C'est un peu particulier, cette présence des autres, mais à distance. Mais vous êtes là quand même à nous écouter. Et alors... bien sûr, il y a toute l'importance à pouvoir continuer les séminaires, les reprendre et d'utiliser les outils qui nous le permettent. Et en même temps, moi, ça me questionne beaucoup le fait que ce soit pas en présence réelle, pas en présence physique. Ça me questionne beaucoup dans la pratique parce que je me retrouve, comme beaucoup d'autres, je suppose, à faire des téléconsultations, téléséances. Alors, je me suis demandé si dans les séminaires, c'était moins important. Je ne sais pas trop. Je me suis dit, finalement, c'est comme quand on lit un livre, hein, un livre de Freud, de Lacan. L'important, est-ce que ce serait le contenu? Est-ce que ce serait les énoncés? Et alors justement, je me suis dit qu'il y a peut-être un risque, si on prend les choses comme ça, un risque d'accentuer l'illusion de savoir, hein, de croire que l'important, c'est les énoncés. Alors que je crois que le plus important dans un discours d'analyste, c'est la dimension de l'énonciation. Alors bon, du côté des énoncés, si on ne dit pas tout à fait n'importe quoi, ça peut être bien aussi. Mais voilà, cette dimension d'énonciation. Et je me posais la question, est-ce qu'il y a un lien entre la présence réelle et l'énonciation? Et d'abord, qu'est-ce que je veux dire par énonciation? Est-ce que ce serait simplement le fait de parler, hein? Alors, Lacan a repris la distinction que font les linguistes entre énoncé et énonciation. Là, quand j'utilise le mot, je crois que je le souligne encore un peu plus. Ce n'est pas simplement l'acte de parler, c'est la question de prendre la parole et d'y être dans ce qu'on dit. Et je le différencierais du... Ah, tiens, il y a Yves qui apparaît sur mon écran en tout cas. Je ne sais pas si c'est un problème... non. Vous me voyez, excusez-moi de vous poser la question, mais moi je ne me vois plus là du coup. C'est bon ? D'accord.
Alors, oui, je disais donc y être dans ce qu'on dit, et je le différencierais du discours courant ou du discours ambiant qui peut nous traverser, hein, d'une parole comme ça dont on peut se faire soit le perroquet ou le ventriloque, une espèce de baratin, une parole dans laquelle on n'est pas. Et d'ailleurs, une façon de l'illustrer quand même, c'est que si je me mets, j'ai pris des notes, et des notes assez précises, parce que voilà, c'est enregistré, c'est un peu particulier, c'est un peu stressant. Donc j'ai pris des notes de ce que je vais vous dire. Et si je me mets à lire ce que je vous ai dit, je crois que je perds la dimension d'énonciation, justement. Alors même que je l'ai noté en essayant d'y être, hein, dans cette dimension. Voilà. Et alors, bon, là, on n'a pas, on n'est pas en présence physique, on est en présence virtuelle, et on essaye d'être quand même dans la dimension d'énonciation. Alors, est-ce que c'est... voilà, qu'est-ce qui compte dans ce truc-là, dans cette histoire de présence? Et d'ailleurs, c'est différent, hein, là, cette... voilà, pardon. C'est différent, pour moi en tout cas, aujourd'hui, de vous parler en sachant que vous êtes là, par rapport à la séance du 15 mai qui a été enregistrée et qui avait un aspect un peu artificiel. Une autre remarque sur l'énonciation sans la présence, je crois que dans les œuvres d'art, quand il s'agit d'œuvres justement, il y a cette dimension d'énonciation aussi, alors qu'on n'est pas nécessairement dans de la présence réelle. Voilà, donc ces petites remarques qui peuvent sembler un peu à côté du thème, mais qui sont, vous verrez que par rapport à ce que je veux vous dire, on retrouvera cette question d'énonciation justement. Mais j'entre dans le vif du sujet, qui est aujourd'hui donc le mythe individuel du névrosé. Alors c'est le titre d'une conférence que Lacan a prononcée en 1953 au Collège philosophique. Je vais reprendre, il donne plusieurs définitions du mythe dans cette conférence, du mythe en général et du mythe individuel du névrosé. Je vais reprendre ça. Avant d'entrer comme ça un peu dans le texte, je voulais vous dire ce qui m'avait parlé dans ce texte, ce que j'en retenais après la lecture. C'est l'idée que la matière de l'être humain, elle est du côté du mythe, elle est du côté de la parole. Alors, ce n'est pas une nouveauté, hein, ce n'est pas un scoop ce que je vous dis, mais je trouve que c'est très parlant dans cette conférence-là. Ce qui fait la matière de l'être humain, c'est du côté de la parole, mais pas la parole sous son versant scientifique ou pseudo-scientifique, mais la parole sous son versant de mythe et de fiction et de narration. Voilà. Donc l'être humain, il est fait de ça. Alors, il est fait de chair également, bien sûr. Il y a le corps, il y a la chair. Et peut-être que tout le problème, d'ailleurs, tout le drame de l'être humain, même le propre de l'être humain, c'est d'être fait de cette matière particulière de fiction et de chair. Alors, je plonge un peu dans le texte cette conférence de Lacan. Il annonce dès le début qu'il va nous parler de la réalité fondamentale de l'analyse. Et puis ce qu'il dit, un peu en introduction d'ailleurs, c'est qu'il considère que la psychanalyse n'est pas une science, mais un art. Un art au sens des arts libéraux, c'est un terme qui date du Moyen-Âge. Il y avait plusieurs arts libéraux, la grammaire, la rhétorique, la dialectique, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, la musique, et les quatre derniers d'ailleurs, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique, deviendront ensuite des sciences. Mais là justement, la psychanalyse est rapprochée par Lacan des arts libéraux et non des sciences. Et ce qu'il en dit de ces arts libéraux, c'est qu'ils entretiennent un rapport essentiel, fondamental à la mesure de l'homme. C'est-à-dire un rapport de mesure de l'homme à lui-même, qui est l'usage du langage, l'usage de la parole, et qui serait perdu du côté des sciences. Lorsque l'arithmétique devient de la science, il y a la perte de ce rapport de mesure de l'homme à lui-même, qui est l'usage du langage. Et c'est là que je retrouverai la question de l'énonciation, peut-être.
l'idée que dans cet usage de la parole, on peut être du côté de l'énonciation, alors que quand on se place du côté des connaissances scientifiques, on va réduire les choses aux énoncés. Ce dont nous parle Lacan dans cette conférence, c'est de l'idée que rien ne peut épuiser la vérité de l'être humain dans une formule qui en donnerait l'essence. Il n'y a pas de formule qui va rendre compte de la vérité de l'être humain. Et c'est là qu'il donne une première définition du mythe. Il dit que le mythe, c'est ce qui donne une formule discursive à ce quelque chose qui ne peut être transmis dans la définition de la vérité. Donc là où la vérité ne peut pas être saisie comme une définition ou comme une formule, elle peut être, je ne sais pas s'il faut dire saisie, mais en tout cas, elle peut prendre cette forme narrative du mythe. Et d'ailleurs, je vous lis la suite de la phrase de Lacan, dans laquelle on se perd complètement, parce que c'est un peu alambiqué. Mais donc, ça ne peut pas être transmis dans la définition de la vérité. Je vous lis le truc et puis je le résumerai après. « Puisque la définition de la vérité ne peut que s'appuyer sur elle-même et que c'est en tant que la parole progresse par elle-même et par exemple dans le domaine de la vérité, qu'elle la constitue. » Bon, en bref, en clair, en tout cas moi je le comprends comme ça, parole, vérité, ça se mord la queue et ça tourne en rond. Voilà. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui arrive et que je vais admettre dans le séminaire. Voilà. Donc oui, parole et vérité, ça tourne en rond, si on cherche une définition ou une formule. Donc la parole ne peut exprimer la vérité de l'être humain que de façon mythique. J'avance un peu, il y a un peu plus loin une autre définition du mythe que nous propose Lacan. Il parle d'un épos, le terme grec, qui veut dire récit, discours épique. C'est-à-dire, là c'est les mots qu'utilise Lacan, cet épos, c'est une geste exprimant d'une façon imaginaire les relations fondamentales caractéristiques d'un certain mode d'être de l'être humain à une époque déterminée. Alors, je relis. Donc, un épos, définition du mythe comme épos, une geste exprimant d'une façon imaginaire les relations fondamentales caractéristiques d'un certain mode d'être de l'être humain à une époque déterminée. C'est-à-dire que là, on a une définition du mythe qu'on peut prendre au niveau collectif ou social. Les relations fondamentales caractéristiques d'un certain mode d'être, mais qui peut être pris aussi au niveau individuel. Et c'est là qu'on va trouver enfin la question du mythe individuel du névrosé. C'est-à-dire quelque chose comme une geste exprimant d'une façon imaginaire, je reprends les mêmes mots toujours, ces relations fondamentales caractéristiques de l'être humain, d'un certain mode d'être de l'être humain, on est très proche de ce qu'on appelle le scénario fantasmatique et le fantasme fondamental. Et d'ailleurs, ça c'est une question que je me pose là quand on parle un peu après dans cette conférence. Ce mythe individuel du névrosé, le fantasme, je les comprends comme très proches. Je ne sais pas si d'autres auront d'autres propositions à ce sujet-là, ce qui peut les distinguer ou pas. Moi, je trouve que ça se rejoint beaucoup. Et donc, avec ce mythe individuel du névrosé, ça nous parle quand même de la façon dont tel être humain en particulier va être déterminé, et déterminé dans toute la trame de sa vie. Et je trouve que c'est toujours l'endroit qui est assez difficile à faire entendre, parce que quand on parle de fantasme fondamental, on comprend assez facilement que ça va déterminer la question du désir, la question des choix amoureux, etc. Mais quand on approfondit un peu ces questions, on entend aussi que ça infiltre toute la trame de la vie. Et on retrouve la question du rapport entre le mythe et l'oracle et le destin, dont Guillaume nous parlera peut-être tout à l'heure, parce qu'il nous parle, la dernière fois, il nous parlait de l'oracle. Ce mythe individuel du névrosé, il va vraiment tracer la destinée du névrosé. Ensuite, Lacan l'illustre par l'homme au rat, l'exemple de ce cas de Freud. Alors,
Liliane, je ne me suis pas, j'ai pas vérifié depuis combien de temps je parle. Je ne sais pas si j'ai encore un tout petit peu de temps. Je ne t'entends pas. Tu me montres les 2 minutes, 3 minutes. Tu es déjà à 11 minutes. Oula, j'ai déjà dépassé. Bon, je termine rapidement. Donc, Lacan illustre cette question du mythe individuel par l'exemple de l'homme aura. Et ce qu'il nous en dit, c'est qu'il y a une constellation familiale de l'homme aura qui est marquée par deux traits importants, le choix entre la femme riche et la femme pauvre et la dette impayée. Et ces éléments-là vont se retrouver dans ce qui serait la geste symptomatique de l'homme aura. Et d'ailleurs, ça va aussi se retrouver dans la cure, ça va se rejouer dans le transfert, parce que cette histoire de choix de se marier avec une femme, une jeune fille riche ou une jeune fille pauvre va se transformer en conviction plus ou moins délirante que Freud aimerait le marier à sa propre fille qui serait une fille riche, etc. Je vous conseille d'aller lire le cas de l'homme aura et ce qu'en propose Lacan dans cette conférence. Et cet exemple-là, il illustre que le névrosé, il est enferré dans son mythe. Hein, il y est aliéné, ça se répète et ça se répète malgré lui. C'est ce qu'on entend dans les cures à longueur de séance, assez souvent, disons. Mais ce mythe, cette fiction, elles tiennent des fonctions aussi. Il y a cette dimension de répétition et d'aliénation, mais elles tiennent aussi une fonction qui permet de construire un monde. Le monde tel que le perçoit le sujet névrosé, il est complètement déterminé par la trame du mythe. Et d'ailleurs, sa propre identité, lorsqu'il se prend pour lui-même, est déterminée par cette trame-là. Et on l'entend d'ailleurs dans la clinique, quand cette trame mythique ou du fantasme fondamental se délite avec la fin du monde, telle qu'en parle le président Schreber, par exemple, le délire qui va être la reconstruction d'une autre forme du mythe, ou la question de la mélancolie lorsqu'il y a vraiment une disparition du mouvement désirant et une perte du sens. Alors, je conclue sur cette dimension de fiction et de narration, qu'on retrouve déjà dans le mythe, mais qui est reprise dans la cure. Parce que dans la cure, on raconte à nouveau, on fait un nouveau récit, hein, ou on construit un récit. Et parfois, on se pose la question, est-ce qu'avec un autre analyste, on aurait fait la même cure? Est-ce qu'on serait arrivé au même repérage, etc.? Peut-être que ça peut être comparé aux différentes variantes des mythes. La plupart des grands mythes ont beaucoup de variantes. Si on avait commencé la cure avec un autre analyste ou si on avait commencé la cure 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ben ça aurait peut-être été une autre variante du mythe. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là-dessus. Merci, Cyrielle. Et je te passe tout de suite la parole, Jean-Richard. Ce que je veux dire, c'est que ce que je voudrais soutenir, vous le trouverez in extenso dans le dernier numéro d'Éphéméride, qui est justement sur le mythe fondateur de Jacques Lacan. Donc, vous trouvez le texte dans l'ensemble. Donc, je vais vous donner juste quelques idées à partir de ça. Donc, l'Éphéméride numéro 7, c'est ça ? C'est le 7 qui vient de sortir. Donc, vous trouvez le texte dans l'ensemble parce que, si vous voulez, je crois que nous sommes dans une période post-traumatique. Post-traumatique, moi je dirais, j'ai une nouvelle fois la sensation d'être rescapé d'un certain nombre de choses. Ah ben je vois Sylvie Pierre, bonjour, tu vas bien? Voilà, tu vas bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on, pour moi, ça a renvoyé ce texte du mythe individuel du névrosé à tout le début, si je puis dire comme ça, de mon périple analytique. Et c'est quelque chose qui était un peu difficile à l'époque, parce que vous savez que ce texte, ça, Cyrielle y a fait allusion, mais c'est un texte très particulier dans l'œuvre de Lacan. C'est-à-dire, c'est normal que je vois Sylvie normal tout le temps? C'est normal, ça. C'est pas désagréable d'ailleurs, mais c'est normal.
Oui, là tu apparais sur mon écran, tu apparais donc tu es enregistré. Alors, je comprends rien, mes affaires. Je sais pas, quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de ce texte qui est terriblement tordu dans l'œuvre de Lacan. C'est-à-dire qu'il y a une part très à part. C'est donc un texte qu'il a fait au Collège de philosophie de Jean Val. Jean Val, il faut savoir, c'est celui qui a toujours permis à Lacan d'écrire. Jean Val, il s'est occupé parce que Lacan, il avait, contrairement aux apparences, beaucoup de difficultés à écrire. Et d'autre part, ce texte a été diffusé sans que Lacan l'ait corrigé, ce qui est quand même pas rien. Et ensuite, il est passé par les États-Unis pour revenir en France. Et c'est Jacques-Alain Miller qui a fini par corriger le texte en 1978, qui est la période où j'ai beaucoup travaillé avec Jacques-Alain Miller. D'ailleurs, c'était une période un peu spéciale. Donc, si vous permettez, je vais vous dire quand même quelque chose d'un peu historique dans cette affaire, qui est le fait que on a une position de Lacan qui est en même temps, on vous a dit que c'est en 53. Vous voyez que 53, c'est, si vous ne prenez pas ça comme point de départ, vous êtes mal barré. À propos du mythe, c'est le fait que c'est la cassure de Lacan. C'est tout ce qui va donner l'excommunication, c'est ce qui va donner les séparations par rapport à l'international. C'est-à-dire, il va parler en philosophe de ce dont, des raisons même de ce qui va provoquer la scission. Donc, c'est un texte qui est très important dans cette histoire et où vous trouvez d'ailleurs, ces, si je puis dire, les éléments fondateurs de toutes ces théories par la suite, dans les toutes dernières pages concernant le quatrième terme, justement, de bon, le quart élément. Hein, dans le texte, je le désignerai ce soir en vous disant quel est le quatrième élément. J'en ai un tout petit peu parlé avec le Christé l'autre jour, qui posait la question du quatrième terme par rapport à l'Œdipe, hein, en particulier. Et ce quatrième terme qu'il introduit, c'est quelque chose qui est terrifiant par rapport à tout ce qui se passe, c'est la question de la mort. Le quatrième terme qui introduit quelque chose qui casse la mythologie freudienne psychologique, c'est que le quatrième terme, c'est la mort en tant qu'elle n'est pas réalisée, mais la mort qu'elle, qui va se, si on veut, qui va apparaître comme un terme en tant que tel, qui va trouer la question du complexe d'Œdipe. Et en particulier, bien sûr, ça passe dans les différents séminaires, vous le retrouvez. Mais il y a quelque chose qui est important, c'est le fait qu'il y a une citation des gens avec lesquels Lacan travaillait à l'époque, qui sont les questions de Jean-Paul Valabrega en particulier et de Guy Rosolato. C'est des gens ensuite qui ont fondé le quatrième groupe, hein, plus tard, qui ont donc fondé l'école de Perrier. Et là, vous repérez qu'à l'époque, il y a une espèce de phrase qui était clé à cette époque-là. Je cite, « On fait à propos de l'analyse ce qu'on fait dans l'analyse ». Ça veut dire le travail de théorisation, Cyrielle, tu l'as fait allusion indirectement quand tu poses la question du temps, et ça va plus loin. Structurellement, ce qu'on travaille dans l'analyse, c'est l'endroit où on en est dans l'analyse, même si on n'est plus dans la cure. L'analyse va au-delà de la question de la cure elle-même. Et là, vous pouvez toujours retrouver chez un certain nombre d'auteurs, vous retrouvez quelle a été leur spécificité. Le pont, par exemple, vous pouvez prendre l'exemple d'Israël, vous voyez que c'est avec ses listeries. Serge Leclerc, c'est la question de la poésie du réel. François Perrier, c'est la question de l'érotomanie, qui s'est terminée d'ailleurs sur une érotomanie sur Lacan, qui était assez gratinée. Et Valabrega, c'était la question du fantasme. Alors, il s'est passé quelque chose auquel j'ai assisté, j'étais en sabot, paysans et tout, c'était un texte qu'il faut, sur lequel il faut revenir absolument, qui est l'ouverture de la section clinique
de Jacques Lacan. Vous le trouvez ça dans le Ornicard, page 7 à 10, c'est l'ouverture auquel j'ai assisté. C'était marrant parce que j'ai assisté comme j'étais un peu pistonné pour y assister parce que j'étais assistant à l'époque de Lucien Israël. Donc, j'ai pu pénétrer dans le Saint des Saints, dans le, comment ça s'appelle, le Mont Sinaï de l'époque. Donc, je suis arrivé là-dedans un peu, je regardais un peu en bas le Goliath, là, et puis je me retrouvais là-dessous. Et alors, ce qui est intéressant, ce texte, c'est l'endroit où Lacan, il définit la question de ce que c'est que la clinique psychanalytique. Parce que le drame était complet, il faut savoir. Il ouvrait la section clinique qui a donné ensuite l'école de la cause, et tout ça, c'est pareil, et qui a donné la CERC aussi, c'est pareil. Il ouvrait une section clinique à l'université. Donc, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire cette espèce d'effet, à nouveau, ça cassait les mythes, ça a cassé les mythes, c'est-à-dire qu'il y avait possibilité qu'il y ait du discours analytique qui apparaît par rapport au discours de l'université. Et ça, c'était quand même une véritable révolution assez gratinée. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, au fond? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que c'est d'autant plus, qu'est-ce que c'est la clinique psychanalytique? Alors, vous en attendez, tout le monde était suspendu. Qu'est-ce que c'est la clinique psychanalytique? Voilà. Et il faut savoir qu'en parallèle, avant que vous sachiez la banalité inouïe dans laquelle vous tombez, c'est que c'est la période où Lacan est allé au séminaire sur le symptôme. Vous voyez, c'était à peu près déjà coton. Hein. Bon, alors qu'est-ce que la clinique psychanalytique? Bon, moi, je vous le dis très vite, hein, parce que j'ai quelques minutes. Il l'a dit à peu près en 10 minutes, d'accord? Qu'est-ce que la clinique psychanalytique? Ce n'est pas compliqué. C'est ce qu'on dit dans une psychanalyse. Paf! Vous savez, vous attendez, justement, à propos du Mont Sinaï, vous attendez qu'on vous amène un grand truc. Mais la question, c'était comme ça. C'est, vous regarderez le texte qui est assez, assez spécial. Qu'est-ce que c'est le dire? C'est quand même une sacrée affaire, ça. Hein? C'est-à-dire, alors il dit, c'est le dire, c'est quoi? Si on se propose de dire n'importe quoi, mais pas de n'importe où. Déjà, ça change absolument tout. Et de ce que j'appellerais, pour ce soir, c'était un moment, le dire-vent analytique. Le dire-vent analytique. Et là, il y a tout un raisonnement, vous regarderez, c'est marrant plutôt. On peut assister aussi à se vanter de la liberté d'association ainsi nommée. C'est-à-dire, c'est ramener la question, si vous voulez, de la liberté d'association à sa place et la question de pas n'importe où. C'est-à-dire, c'est pas un dire n'importe où. Et alors, c'est ce qui est extraordinaire. Bon, je vais très vite. C'est le fait que vous voyez à quel point la question du dire, une fois que vous avez vu l'ensemble de l'œuvre de Lacan, se différencie de la question du langage, se différencie de la question de la parole et se confond de la question du, se distingue de la question du discours. Qu'est-ce que c'est se dire? Parce que justement, se dire, il ne peut pas se dire. C'est justement l'impossibilité, ça tu l'as dit très justement, c'est l'histoire de l'attirance d'ailleurs de Lacan par rapport à Goethe, c'est l'histoire de la vérité, hein, ne saurait ainsi se dire. C'est-à-dire, il reste justement cette dimension poétique. Alors, ça aboutit à un truc absolument incroyable. On ne relève plus, mais parce que maintenant, on n'est plus dans l'ère lacanienne. Alors, il dit simplement, vous voyez, la conclusion, c'était de Lacan de cette histoire, c'est Freud, il a découvert l'inconscient. On aboutit, ça, c'était la version déjà complète. Et moi, j'ai trouvé ce qu'il y a dedans. Vous voyez, déjà, ça à peu près, la mégalomanie lacanienne était quand même assez fortiche. Et là, c'était intéressant parce que qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire, ce qu'il veut dire, c'est ce qui, lui, il a introduit, c'est la question du signifiant. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, il dit que Freud, il s'en sort pas dans cette histoire. Et il prend l'exemple de la Bévue. Hein. Vous savez qu'il y a un séminaire sur l'une Bévue, d'accord.
Alors, c'est une bévue a-t-elle besoin d'être expliquée? Alors, c'est une question, elle n'a pas besoin d'être expliquée. On n'en a rien à foutre. C'est ce qu'il disait. Il dit pas ça. Il dit simplement, elle suppose que la bévue est toujours d'ordre signifiante. C'est-à-dire, vous avez à trouver quel est le signifiant. Qu'est-ce qu'on se plante? En quoi on se plante par rapport à la bévue? Donc, il dit quelque chose. Il dit, quand on parle de retour à Freud, de sa part à lui, Lacan, eh ben, on se plante. C'est parce que l'histoire de Freud, si j'ai parlé de retour à Freud, c'est parce qu'on se convainc jusqu'à quel point c'était boiteux son affaire. Sous-entendu, c'était complètement boiteux, c'est-à-dire qu'on n'avait pas découvert tout ce qui était la genèse du signifiant. Alors, ça lui permet de dire quand même des choses, c'est assez gonflé, mais en même temps, ça résume bien les choses. L'inconscient, donc, n'est pas de Freud. Il faut bien que je le dise. Vous voyez, la modestie étant ce qu'il est. Il est de Lacan. Ça n'empêche pas que le champ, lui, il soit freudien. Autrement dit, ça, nous sommes dans le mythe. À un moment donné, on pourrait dire le mythe de Lacan. C'est pas le mythe lacanien. Hein, c'est pas pareil. C'est le mythe qui l'a animé. Au fond, son désir d'analyse. Alors, ça consistait en quoi, ce mythe de Lacan? Si on dit le mythe de Lacan en 77, je ne fais pas le pont parce qu'on n'a pas le temps, mais le pont avec le dernier, le quart élément, ça a à voir avec ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le fantasme? Tu parlais du fantasme, tu as tourné autour. Qu'est-ce que c'était on pourrait dire le fantasme de Lacan en 77? C'était premièrement, donc au moment où il crée la section clinique. Donc, où il va créer indirectement l'école de la cause aussi, hein. Où on a créé la CERC et tout ce qu'on a mis en place. Premièrement, c'est de prendre l'œuvre de Freud comme un contenu manifeste. Attention, c'est important ça. Et d'en trouver le contenu latent signifiant. Ça, c'est le fantasme de Lacan. Deuxièmement, c'est d'introduire, parce que lui, il avait la chance d'être pris dans la question de la linguistique saussurienne et jacobsonienne, d'introduire, d'inventer la place du signifiant lacanien, qui n'est pas, hein, qui est différent. Troisièmement, en partant du dire psychotique, parce que lui, il ne faut quand même pas oublier un détail. Lacan, il était psychiatre avant tout. Il a fait des études de psychiatrie. Il a écrit une thèse sur la paranoïa. Il a travaillé beaucoup. Il est parti du dire du psychotique ou des psychotiques pour en arriver à la question de la clinique psychanalytique, dit justement au mythe individuel du névrosé. Quand même pas rien. Il est parti de la psychose. Il est parti de la question, alors que Freud était parti aussi de la question de la phasie, je vous rappelle. Alors, donc, Lacan, il part de l'histoire de la clinique du psychotique pour tomber sur la clinique psychiatrique. C'est une façon, parce que tomber sur la clinique psychanalytique, ça, ils ne l'ont pas très bien compris, les Milleriens n'ont pas pigé. Parce que c'est des gens qui viennent de normal sup, c'était pas leur souci. C'est de passer à la clinique psychanalytique, qui est une manière d'interroger le psychanalyste lui-même, c'est-à-dire de le presser à déclarer ses raisons. C'est ça, la clinique psychanalytique, c'est ça. Voilà. Et ce qui fait qu'il propose même, alors pour vous dire que c'était vraiment gonflé, je termine sur ça, il a proposé en ce qui concerne la Traumdeutung, la traduction de la Traumdeutung, il dit, alors Traumdeutung, d'accord, il y a Meyerson qui appelait de la science des rêves, ensuite on a parlé de l'interprétation des rêves, alors il dit, moi je dis Deutung, mais Deuten, ça redouble l'histoire de la bévue. Hein. Voilà le mythe individuel du névrosé, c'est de redoubler la question de la bévue. Et de demander comment le psychanalyste il se démerde avec le. Alors, Deuten,
c'est le sens. Donc lui, il tombe sur un truc qui est complètement bizarroïde. C'est ce qui veut dire, hein, Deutschen. Ce qui veut dire. D-E, plus loin, veut, V-E-U-T, plus loin, dire. C'est-à-dire que la psychanalyse est indéfinissable uniquement par le langage. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça vous permet de comprendre complètement ce mythe individuel, pas seulement du névrosé d'ailleurs, que l'inconscient n'est pas un langage. L'inconscient est structuré comme un langage. Vous entendez ? Ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire, et c'est là où il dit, l'histoire du langage, le chant lui-même, il est freudien, sans aucun doute. Mais qu'est-ce que c'est un chant ? Hein ? Là, ça veut dire que l'inconscient, en tant qu'il tient compte du signifiant, il n'est pas de Freud. Il est bel et bien de Lacan. Et c'est pour ça qu'il dit, il le reprend dans les différents textes, c'est très difficile à ne pas différencier le langage, l'inconscient, le discours, le champ freudien. À ce moment-là, le champ de Freud risque toujours son extinction. Voilà. Bon, vous le trouvez dans Éphéméride, hein, l'ensemble que je déroule. Voilà. Merci Jean-Richard. Et je passe tout de suite la parole à Martin Roth. Oui. Bon, écoutez, je pensais terminer par ce par quoi je vais commencer et le faire chemin inverse pour essayer de démontrer de démontrer la conclusion, en fait. C'est-à-dire le mythe individuel du névrosé. À la lecture de cette conférence, m'apparaît comme une formation ou une formulation de l'inconscient. C'est-à-dire, le mythe individuel du névrosé lui-même est une formation de l'inconscient dans une situation très particulière qui est celle du transfert. Il y a dans cette conférence plusieurs rappels de cette dimension justement du dire, notamment il n'y aurait pas de mythe individuel du névrosé si l'homme aura n'était pas allé dire le scénario qui le traversait à quelqu'un, à Freud. Donc la dimension transférentielle est d'emblée présente et pourtant masquée. Elle est présente dans toute la construction du mythe individuel du névrosé. Donc c'est une formation de l'inconscient ou une formulation de l'inconscient. Pour reprendre la manière de Lacan de dire, il parle de formule discursive. On peut dire une formulation. C'est un terme intéressant. Il y a à la fois la forme, la mise en forme. Il y a à la fois la formule, la phrase, et la formulation, c'est-à-dire l'énonciation. Alors, il y a un autre endroit, Cyriel, tu as rappelé les différentes définitions du mythe individuel névrosé. Lacan en parle aussi comme un petit drame. Un petit drame. Et ce petit drame, c'est à partir de là que je voulais commencer aussi. Le drame renvoie étymologiquement à la question de la mise en scène, du théâtre. Hein, et contient toujours une proximité avec la notion d'énigme. Et alors, qu'est-ce qu'une analyse, si ce n'est la nécessité ressentie par quelqu'un à un moment donné de vous présenter son petit drame et de ne cesser de répéter son drame qui fait énigme pour lui.
Alors, au départ, ça se présente, cette énigme, sous des formes qui seront amenées à évoluer dans l'analyse, mais au départ, ça peut être très bien, l'énigme, c'est l'autre. C'est-à-dire, voilà, il se passe quelque chose avec l'autre et ça m'échappe, je ne comprends pas. Ou d'autres viendront en disant l'énigme, c'est soi. Il y a quelque chose en moi qui m'échappe. Ou alors, dans les consultations pédopsychiatriques, en l'occurrence, l'énigme, c'est l'enfant. C'est-à-dire que je suis engagé dans une énigme qui m'échappe, l'engagement que j'ai dans cette énigme m'échappe. Donc, je vais rechercher. Et j'ai besoin d'adresser cette recherche à un autre, et en l'occurrence, l'analyste, dont l'écoute orientera cette recherche d'une manière particulière. Mais la recherche insiste. C'est-à-dire que l'énigme insiste, on pourrait la présenter, pour reprendre une lettre de Lacan, comme un X. Il y a dans l'énigme différents protagonistes, différents acteurs, qu'on va mettre en scène, qu'on va raconter. Mais il y en a un qui échappe, c'est le X. Et donc, c'est ce X qui va prendre une forme particulière dans l'analyse, je crois. Et dans l'adresse de cette énigme, son petit drame qu'on répète, dans l'adresse à l'analyste, cet X, l'analyste va à un moment, présentifier et non pas incarner, présentifier cette place du X énigmatique. Pour le dire, il va occuper, pourquoi pas cette place, en tout cas l'analysant aura besoin de lui prêter cette place et va permettre la transformation de cette énigme. Pour le dire simplement, la question qui viendra dans une analyse, c'est aussi, à un moment donné, que me veut l'analyste? Et cette question résonne singulièrement avec aussi, mais qu'est-ce que je lui veux? Qu'est-ce que je lui veux? C'est le désir de l'analyste et le désir de l'analysant à ici un point comme ça, commun, énigmatique. Donc ce petit drame, ce petit drame avec lequel on va voir l'analyste et qu'on rapporte à l'autre, est présente dans cette démarche-là de l'énonciation de son drame un déplacement. On passe d'un drame vécu, hein, et chez de l'homme aura, c'est très manifeste. Il raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il vit, ce qu'il traverse, à un drame raconté. Donc, il y a déjà un transfert à cet endroit-là, un déplacement au niveau de lieu. Et le déplacement de lieu crée le lieu du transfert. Et ce déplacement permet déjà, pour utiliser un autre terme ancien, une certaine catharsis. Une certaine catharsis, c'est-à-dire que l'énonciation dans le transfert et permettra une catharsis. Au sens tout simple où Aristote l'a amené, c'est-à-dire que la catharsis ne peut survenir que s'il y a une représentation à laquelle on peut s'identifier. Un truc tout simple, qu'est-ce que penser si ce n'est déjà une certaine représentation? Donc, dans l'acte de penser, il y a déjà l'acte cathartique est implicite à l'acte de penser, et donc de parler, parler-penser. Donc voilà, pour dire que c'est revenir, ça a été beaucoup discuté, la catharsis en analyse,
Mais la catharsis en analyse n'est pas une fin en soi, c'est un début. C'est juste un début, c'est une mise en place de transfert. Et qui amène un début de travail où l'analyste prendra petit à petit la place du X. Non, ce que je voulais dire, tu touches quelque chose de fondamental. Ce moment catharsis qui fonctionne, en même temps, dans ce texte, c'est pour ça que ce texte a quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que tu peux résumer en un petit chouïa de rien du tout tout le devenir d'un sujet à partir du fantasme ou d'un fantasme, et au fond, que tu vas retrouver dans la fin de l'analyse. C'est pour ça que c'est génial ce que tu dis. C'est l'effet cathartique, ça ne veut pas dire du côté de l'hypnose. Ça veut dire, ça résume, c'est extraordinaire, ça résume le noyau pathogène d'emblée. Et Freud l'a repéré aussi dans l'histoire des rêves-programmes. C'est-à-dire, il dit, le petit truc, là, le machin, on a fait un petit rêve, il y avait déjà tout dedans. Non, non, c'est tout ce que je voulais dire. Et on retrouve ce que tu appelles ta cathartique, c'est le fait qu'on, d'emblée, on met l'accent, tu pointes, tu sais comment on dit, au boule, tu pointes tout de suite le noyau pathogène. Tu peux rien en foutre. Si t'es pas analyste et si tu fais pas d'analyse, tu peux rien en foutre du tout. Et tu le retrouves à la fin de l'analyse. Et je crois que c'est dans le texte, c'est en arrière-fond l'histoire. C'est pour ça que l'histoire de, que ce soit l'homme au rat, que ce soit l'histoire de l'histoire de Goethe, elle est avec sa double femme. Il y en a un qui est avec sa double femme, l'autre il est avec le rat qui rentre dans le cul là. Mais on peut résumer en un petit machin. Et c'est pour ça que c'est formidable du côté du mythe et du côté du fantasme. Voilà, je voulais juste pointer ça. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, ce point-là me paraît déjà présent dans le choix inconscient de l'analyste. Absolument. Et c'est mieux ça. C'est-à-dire que les prémices du transfert, le pôle d'attraction principal à un moment donné du transfert, transférentiel, qui concentre ce point énigmatique qui a besoin d'une élaboration est déjà implicite dans le choix de l'analyste avec lequel ça va se faire. Et donc, c'est pour ça, pour répondre à Cyrielle, je crois, à cet endroit-là. Et oui, il y a différentes analyses possibles et ce n'est pas le même point qui serait travaillé. Donc, si on va choisir un analyste homme, ce n'est pas pareil que si on va choisir une analyste femme. Pas pour la question du genre, mais pour cette question du point qui va être travaillé singulièrement pour une personne donnée, qui est son énigme et qui est son point de travail transférentiel. Transférentiel. Et il a besoin de déployer une mise en scène, donc le lieu du transfert, avec le déploiement de signifiants, mais qui sont comme orientés vers un pôle d'attraction particulier, qui est le pôle transférentiel, et celui-là, l'orientation est orientée par l'énigme, par le X, ou par le A. Par exemple, j'ai fait un énorme contrôle avec Israël, une analyse de contrôle qui a duré des années. À un moment donné, je suis allé avec un cas où justement, j'ai résumé en un point. J'ai dit, mais merde, putain, cette dame, je l'ai écoutée pendant 5 ans. Il y avait juste un point que je retrouve. Il m'a dit, l'analyse de contrôle est finie avec moi. C'est terminé. Intéressant, non? Ça va. C'est-à-dire, c'est pas juste la gnognotte, quoi. C'est toute la cure elle-même, tu vois. Ça, c'est fini, ça a terminé. C'est la fin de l'analyse, ça. C'est pas la fin de la cure. C'est là où c'est intéressant, la différence. C'est pas pareil. La fin d'un cure, il y a le transfert, il y a rien. Mais tu repères même quelle a été l'énamoration qui a permis la mise de transfert. C'est avant. Mais je me rappelle, il m'a foutu dehors du bureau, hein. Le père Israël, mais c'est fini, terminé avec moi. Va chez Lacan maintenant. Arrête. Bon, parenthèse. C'est pour ça que c'est pas rien ce qu'on touche du doigt là, dans le mythe individuel. Hein. C'est pas mal comme titre. L'énamoration est quelque chose qui revient sous transfert. C'est-à-dire que ça fait partie de l'énigme. C'est
ce que je vais déployer dans le transfert, c'est-à-dire les signifiants qui se présentent comme des protagonistes du théâtre, de la mise en scène, ou pour le dire autrement, Œdipe, on dit l'analysant et Œdipe. Non, l'analysant, c'est Œdipe et tous les autres personnages. Exactement. Il est, comme Antonin Artaud disait, je suis, je ne sais plus quelle est la phrase, moi, Antonin Artaud, je suis mon père, mon fils, ma sœur et mon frère. Et la place de la mort. Et la place de la mort. C'est là et où elle est. Il faut qu'il y ait la mort pour que ça puisse circuler. Et bien, voilà le point X. Ouais, voilà le point X. Ouais. Voilà le point X. La mort qui peut que être imaginée, hein, nous dit Lacan. Parce qu'elle n'est pas réelle, on est encore là. On continue nos conneries, malgré le virus, on est là. On continue. Mais du coup, si l'analyste, s'il est à cette position nécessaire du point X, il n'est pas mort. Oui. Mais il présentifie cette place-là, c'est-à-dire en place se retirant, de la mort. En maintenant l'énigme, en ne répondant pas à l'énigme, en se retirant précisément à cet endroit-là, qui permet au protagoniste d'arriver sur la scène, au signifiant protagoniste d'arriver sur la scène et de dialoguer et de s'échanger avec ce point X en retrait, nécessaire à ce que ça circule, comme le jeu du taquin. C'est-à-dire un manque où je crois qu'il y a un parallèle avec ce que dit Lacan, que l'analyste présentifie le mort. Ben oui, mais c'est à cet endroit-là. Comme la place du mort dans le bridge. Je suis désolée de vous interrompre, mais si on veut que tout le monde puisse parler, il va falloir conclure, Martin. Je me suis laissé aller, pardon. Mais justement, il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Il y a cette affaire de l'énigme qui insiste. Enfin, il y a une conclusion, mais celle-là, on ne pourra pas la saisir. Restons sur cette énigme. La fin de l'énigme est bien après la fin de la cure. C'est tout à fait autre chose. Ça arrive aussi. Et quel espace de liberté ! L'énigme ne cesse de se répéter et c'est le ratage de la résolution de l'énigme. L'Homora nous le montre. Il y a deux plans qui ne se rejoignent pas. C'est le drame du névrosé. Il n'est pas reconnu. Dans ça. Et il appelle un auteur à le reconnaître, mais cet auteur est un substitut d'un auteur qu'il a refusé antérieurement. Et c'est ce qui fait la réussite d'une analyse, la reconnaissance de ce ratage, peut-être. C'est comme ça que Lacan l'amène. C'est vive l'échec. Merci. Vive l'échec. Et pour la pure Liliane, c'est bien réussi. Philippe, si tu veux bien prendre la parole. Écoutez, oui, moi j'ai été intéressé par cette histoire donc, de mythes et fantasmes qu'avait introduit Cyrielle dans ses propos préliminaires. Et puis, cette histoire donc, que Martin a repris comment cette fiction qui est déroulée au cours d'une analyse, cette narration varie ou variera en fonction de l'analyste, des différents éventuels analystes qui auront participé à la vie de la personne. Je rapprochais ça aussi de cette phrase de Jean-Richard qui disait « La clinique psychanalytique, c'est on dit n'importe quoi, mais pas de n'importe où. » Ces trois morceaux-là me m'interrogent. Ce que je me disais là par rapport à ce que disait Martin, c'était que cette non-résolution de l'énigme, bien sûr, elle se fera de façon probablement très différente d'un analyste à l'autre, et c'est peut-être tout ça qui nous l'a fait. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires que ça, monsieur le site, si vous avez des remarques l'un et l'autre, là, enfin, les uns les autres à faire. Merci Philippe. Juste moi, un point comme ça, je serai longue comme d'habitude. La dernière fois qu'on a discuté, j'avais posé la question du mythe et du fantasme, et je trouve dans ce que vos trois propos, Cyrielle, Jean-Richard et Martin,
vous reprenez quand même de quelque chose. Alors moi, je me le suis représenté comme ça, d'une poupée gigogne, mais qui devrait être un multidimension, c'est-à-dire chaque fois quelque chose qui représente autre chose. Est-ce que le mythe représente le fantasme, le mythe du névrosé, et puis tu as parlé du mythe de Lacan et à partir de la psychose, donc quid du mythe du psychotique, je vais le dire comme ça, du mythe du psychanalyste qui s'appuie sur quoi? Sur les textes, sur la transmission de son propre analyste, etc. Et comment chaque point représente autre chose? Du coup, je suis revenue à la pulsion et au représentant de la pulsion, et je me suis dit, mais alors, est-ce que le langage, c'est le représentant de quoi? Du mythe, du signifiant, du sujet et l'idée comme ça, en vous écoutant, entre le dire et le mi-dire et la vérité, toute la question du mythe est là. Voilà, je m'en arrêterai là. Superbe. Je passe tout de suite la parole à Yves de Christé. Bien, alors je vais essayer de parler. Cette intervention de Lacan, pour moi, c'était quelque chose qui était très dense au niveau à la fois au niveau théorique, et j'avais un petit peu de mal à savoir par où prendre ce texte. Et c'est là que j'ai été. Il y a un cas clinique comme ça qui s'est invité à moi, et je vais peut-être commencer par présenter un petit peu ce cas clinique assez rapidement. En fait, elle se présente surtout dans une position moïque, comme ça, où elle cherche avant tout à maintenir une intégrité de son image dans tous les sens du terme. Une position qu'elle ne veut pas lâcher, mais en même temps une position qu'elle ne supporte pas. Ce qui était assez frappant, c'était sa difficulté de sortir d'une position de méprise, en même temps qu'elle ne pouvait pas supporter le fait d'être confrontée à ce que l'autre ne puisse pas manquer, notamment le médecin qui sait tout ce qui est bon pour elle, ce qui pourrait aussi la renvoyer à son propre manque. Alors, j'ai vu quand même ce qui m'a un petit peu marqué chez cette personne, c'est que cet état de confusion d'angoisse était lié en partie à une forme de confusion des différents registres du père. Et il lui fallait un recours, il fallait que ça puisse parler autrement. Et sa question, c'était comment passer un autre discours, réintroduire quelque chose de la fonction du manque qui lui permettrait de basculer du discours du maître au discours de l'hystérique. Et là, il me semble que c'est la remise en jeu à travers le transfert des différents registres du père qui a pu permettre une sortie de cette déréalisation transitoire. Donc, je donnerai une place assez importante à la cassure qu'a constituée sa maladie, cassure de l'âme signifiante, par cette irruption de réel. Mais il n'y a pas que la maladie, il y a aussi celui qui intervient, qui opère, qui renvoie en fait à la toute-puissance, à la jouissance sauvage, qui n'est pas sans évoquer une représentation du Père réel, sœur et sans loi. Alors, c'est ce qui m'a amené à revenir à Freud, qui a cherché à rendre compte de l'origine de l'humanité à travers ce mythe du Père de l'ordre primitif. Mythe au sens où Freud, ce mythe du père de l'ordre primitif est conçu comme un récit qui tente de donner forme à travers les mots à l'origine qui échappe et qui est de l'ordre du réel. Et ce mythe énonce au titre d'un réel que le père est mort et qu'il est la garde de la jouissance. Alors Lacan nous rappelle que ce mythe a été avancé par Freud alors qu'il venait de perdre son père et qu'à ce titre, ce mythe devait être appréhendé comme rêve, c'est-à-dire au niveau de l'interprétation, sur le plan du contenu latent, comme tout mythe. Alors, Freud s'interrogeait aussi sur ce mythe comme ça, qui était complètement délirant à la limite, mais en même temps, ce qu'il
ce qu'il marquait, c'est qu'il avait des fantaisies qui étaient associées à ce mythe, des fantaisies qui insistaient et qu'il avait là, à partir de cette association qu'il dérangeait, un noyau de vérité. Et que ce noyau de vérité était ce qui devait pouvoir permettre de comprendre les névroses d'aujourd'hui. Alors, ce que je relèverai dans ce mythe, c'est la figure de l'Urvater, qui vient donner figure humaine de chair et d'os face au dénuement et à l'angoisse du réel. C'est-à-dire que le sujet cherche toujours la justification de son mal-être dans ce que le théâtre de sa vie privée lui offre comme possibilité de dialogue, d'émotion ou d'engagement à tenter, ce qui n'est qu'une façon d'entretenir le jeu du signifiant. Alors ma question centrale, en fait, c'était pourquoi le sujet a-t-il besoin de recourir au mythe, voire au mythe du père de la horde primitive ? En fait, introduire le mythe du père de la horde, c'est introduire un point de réel. Alors, en quoi est-ce que c'est l'introduction d'un point de réel ? C'est dans le sens où le père mort a la garde de la jouissance. C'est de lui que parle l'interdit de la jouissance, ce qui représente l'impossible même, que le père mort soit la jouissance. On retrouve que le réel surgit de ce qui s'énonce comme impossible. Donc, au-delà du mythe d'Oedipe, il y a le mythe du père de la horde, mythe qui a la fonction de l'énoncé d'un impossible. Donc, du coup, le père réel n'est autre qu'un effet de langage, une construction langagière. Alors, il me semble aussi que, de ce point de vue-là, la fonction de l'analyste et aussi de pouvoir supporter cette part de toute jouissance sauvage du Père par sa présence réellement en jeu dans la cure. Une incarnation qui n'a rien à voir de métaphorique. Donc il fallait être particulièrement attentif aux interventions que je pouvais avoir avec cette patiente, qui était dans un moment de vacillation symbolique, intervention qui pouvait parfois rentrer en écho avec des figures du Père originaire. Alors, pour le névrosé, Freud insiste que cette histoire s'est réellement passée. Alors, c'est un peu surprenant, ça aussi. Parce qu'en fait, la question, c'est comment sortir de l'enfermement quasi-autistique dans le réel ou de cet enfermement dans le narcissisme primaire. Ce qui lui permet d'en sortir, c'est par cette cassure, par la mise à mort du père, l'acte de son meurtre, qui va engendrer un savoir su, primitif, mais qui va être refoulé. Il est question ici du refoulement originaire, qui va être le point d'appel des refoulements secondaires, qui va nourrir la production de sens. Et il reste toujours la trace de ce meurtre, c'est ce sur quoi insiste Freud. Il a la trace de ce meurtre à travers l'âme du père, mais aussi par le sentiment de culpabilité, qui témoigne que le sujet est partie prenante à ce meurtre. Donc tout ça pour nous conduit en fait à considérer le mythe de l'Urvater comme le point d'ancrage de la structure. C'est donc une question qui a à voir avec un impossible. C'est le père mort qui a le garde de la jouissance, encore une fois. Cette position du père mort, ce n'est pas l'analyste ou l'analyste, c'est la position du père réel. Et cette position-là va imaginer le père comme privateur, c'est le père imaginaire. C'est-à-dire que le père imaginaire est dans une dépendance structurale à quelque chose qui justement échappe, le père réel. Et la castration ne se produit que dans un deuxième temps, en tant qu'énoncé du mythe du meurtre du père, qui est l'énoncé d'un impossible. Donc cet énoncé du mythe du père, du meurtre du père, introduit la figure du père mort, qui est le père symbolique, ou non du père, et donc la fonction du manque. C'est là qu'apparaît la fonction du désir, parce qu'il va manquer. Donc à partir de cette figure absente, apparaît la fonction du désir, de la chaîne signifiante qui commence à s'établir à partir de ce point, et la constitution du sujet. On pourrait le père animal du totem, qui, au-dessus de la loi, se renverse en père symbolique qui nomme.
Donc la castration du père est de sorte effacée, et c'est ce qui va permettre la différenciation entre père réel, père symbolique et père imaginaire. Alors, sur le plan de la clinique, l'introduction de la castration, c'est l'introduction de ce qui fait limite à la jouissance, de ce qui ne peut pas se dire, de ce qui échappe à la représentation. Et à ce titre, on peut en rapprocher la mort comme pur signifiant, au sens où on ne sait pas ce que c'est, et donc un appel au signifiant. Car la mort, en fait, personne ne sait ce que c'est, personne n'est revenu au niveau des vivants pour dire ce qu'est la mort, et elle restera toujours inconnaissable. Donc le signifiant mort introduit la logique signifiante, et c'est en ce sens que j'ai compris qu'il s'agissait du quatrième terme de l'Œdipe, terme à caractère mythique, et de l'Œdipe, que l'Œdipe n'est plus synchrone mais troué. Ces éléments m'amènent aussi à penser le transfert comme une réponse à une impossibilité. C'est-à-dire que le transfert, c'est un mouvement vers une impossibilité. Autrement dit, on travaille à partir du réel. C'est peut-être justement cet élément-là qui m'a fait penser à ce cas clinique. C'est que la parole elle-même, pour être entendue par l'analysant, doit pouvoir poursuivre son propre mouvement, nécessiter la présence d'un autre, avec une écoute qui permet à l'analysant d'entendre ce qu'il dit, de donner forme à son vécu, à l'impossible à dire. Merci. Jean-Richard, tu veux intervenir ? C'est de savoir, dans ce texte sur le mythe individuel, Lacan il revient de différentes manières sur la question du dédoublement. Le dédoublement, Cyriel l'a dit, entre la femme riche et la femme pauvre, d'accord ? On retrouve un peu l'histoire par rapport à l'homme aura, celui qui a donné le pognon, qui a pas payé, celui qui paye, celui qui paye pas. Et alors je me demande, par rapport à ce que tu as dit de la question de la place du meurtre du père mort et tout ça, où il y a quelque chose qu'on entend du côté de l'Urfater, justement, qui a à voir aussi avec cette histoire de dédoublement. Mais est-ce que tu as une idée sur ça? Il y a quelque chose qui se dédouble. Et en particulier, on voit bien ça, ceux qui ont des enfants, ils ont peut-être l'occasion de le voir, ils auront la chance de voir. Quand le père symbolique qui fonctionne en tant que tel, c'est pas pour autant que ça règle peu ou prou la question du père réel. C'est plutôt un peu merdique de ce côté-là. C'est-à-dire, il y a le meurtre du père ne résout pas toute la question du symbolique, comme si le père réel revenait dans son rapport à la question du désir et faisait chier en particulier les autres et en particulier les enfants. Donc ma question, ce serait par rapport à ce que tu as dit, où est-ce qu'on trouve cette scission-là du côté du père, c'est-à-dire parce qu'on voit qu'il le cherche, il n'a pas trouvé non plus, il est dans la merde, notre ami Lacan. Il ne le trouve pas, mais il tombe bien sur cette histoire de dédoublement. Alors, du côté du père, qu'est-ce que c'est ce dédoublement qui n'arrête pas de parasiter quand même? Je n'ai pas dit que tu peux répondre, c'est la question qui me vient à partir de ce que tu dis. J'aurais du mal à répondre, effectivement, là, d'emblée. C'est vrai qu'il y a aussi un mouvement aussi entre ces différentes instances. C'est quelque chose. Je crois que c'est une articulation permanente en fait de ces trois registres. Et... C'est un mouvement, tu veux dire. Un mouvement. Ouais. Bien, merci. Et Guillaume, je te passe tout de suite la parole. Oui. Il y a pas mal de choses qui ont été dites, je vais essayer de rebondir par rapport à ce qui a été dit, mais déjà là, rien que là, la question du dédoublement que tu pointes, Jean-Richard, je vais essayer d'y répondre un peu d'une autre manière par rapport à cette question du mythe individuel du névrosé, mais je crois que ça tient aussi du fait, tu parlais de l'étrangeté de ce texte, il vient à un moment, il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Il tombe comme un cheveu sur la soupe parce que
il n'a pas encore posé le réel, le symbolique et l'imaginaire, mm-hmm. en 53. La question du fantasme, c'est pas encore clair, ouais. en 53. Et du coup, moi, je fais partie d'une génération qui a eu qui n'a pas eu d'autre choix, c'est comme ça, de lire Lacan un peu comme j'avais envie et pas forcément à attendre que les séminaires sortent, que les conférences se fassent ou que les séminaires aient lieu. Du coup, on peut lire, on a une forme de liberté à lire Lacan dans le désordre, mais là, j'ai été obligé quand même de me demander à quel moment il a écrit ça et qu'est-ce qui se passait au moment où il a écrit ça, parce que j'essaierai de répondre à cette différence entre mythe individuel et fantasme. Moi, je suis convaincu qu'il y a une différence fondamentale. Mais au moment où il écrit le texte, je ne sais pas du tout où il en est par rapport à la question du fantasme. Donc, voilà. Et cette histoire de dédoublement, c'est l'histoire que je voulais un petit peu dire là. Au moment où Lacan produit ce séminaire, Il est dans les suites d'un débat avec Lévi-Strauss, dans lequel il y a tout un questionnement autour de ce que Lévi-Strauss... La première fois que Lévi-Strauss met en avant le terme de mythe individuel, ça vient dans un passage où il compare en fait la cure chamanistique et la cure psychanalytique. Et il dit que selon lui, l'une est équivalente à l'autre avec une inversion des termes. Le psychanalyste écoute tandis que le chaman parle, mais qu'en gros, ça se passe en gros à peu près de la même manière. C'est à la fois, Lacan va énormément s'inspirer de ce que Lévi-Strauss a amené, ou plutôt du structuralisme, il n'y a pas que Lévi-Strauss à cet endroit-là. Ils se sont rencontrés quelques années plus tôt, c'est un repas organisé par un philosophe. Enfin bon. Mais en même temps, il va se démarquer de ça parce que, là où il y a dédoublement, c'est que Lacan, à cet endroit-là, il va poser quelque chose qui va être... Tu disais, qu'est-ce qu'on pose au début qu'on retrouve à la fin de la cure ? Je ne sais pas si c'est un effet de cure, là. Mais en tout cas, il va poser cette affirmation qu'il y a une simultanéité de deux points de vue entre celui de l'histoire et celui de la structure. Et ça, c'est un point où il va se séparer de Lévi-Strauss. D'accord ? Lévi-Strauss va mettre en avant la structure et... C'est pour ça qu'il y a le mot aussi individuel qui est resté dans le mythe individuel du névrosé. Tu parlais de drame, Martin, c'est ça, c'est que c'est cette affirmation que les deux points fonctionnent de manière simultanée entre l'histoire et la structure. Et peut-être que le dédoublement dont tu parles, c'est un peu que cette histoire, elle est dédoublée d'emblée. En tout cas, c'est ce que Lacan va essayer de nous dire à cet endroit-là. Alors, parler aujourd'hui du mythe individuel du névrosé, je trouve que ça tombe complètement à pic avec l'actualité qu'on a traversée. On est tous là dans un espèce de soupe mythique d'un discours, on va dire, allez pour aller vite, un discours médical oppressant, politique incohérent qui nous dit quoi faire. Et j'ai l'impression que chacun fait fonctionner dans ce mythe global son petit mythe individuel là pour essayer de se sortir de l'histoire dans laquelle il est pris. Et pourquoi ça résonne encore plus en ce moment, c'est que ce qui est central dans cette histoire là, c'est le mot de guerre prononcé par Macron peut-être, mais c'est surtout la mort. On a compté nos morts, on a regardé ce qui s'est passé à cet endroit-là, et je trouve que ça vient faire exactement le pont là. On est dans un moment où le mythe individuel de chacun, là, est en train d'être un peu bousculé et remanié du mythe global, parce qu'il y a cette question de la mort, de la réalité de la mort. On a dit, on est déjà content d'être là pour pouvoir parler. On a l'impression d'avoir survécu à quelque chose. On a touché du doigt, là, quelque chose de la réalité de la mort. Du coup, je trouve que ça tombe à pic. On l'avait pas prévu avant. J'avais quelqu'un qui me parlait de ses rêves prémonitoires, un patient. Je lui disais, oui, ça devient un rêve prémonitoire qu'à partir du moment où vous reconnaissez quelque chose dans l'après-coup du rêve que vous avez fait. Alors, je sais pas si c'est prémonitoire, mais en tout cas, ça tombe à pic. Parce que le point que je trouve aussi important à soulever dans ce qui a été dit, c'est que le sujet, lui, il est condamné de la question de la mort pour survivre. Alors, il y a un mot que j'arrive pas à relire dans mes notes, et c'est marrant, parce que je sais pas si j'ai écrit suivre ou survivre. Pour suivre ou survivre à la question du moi ou à la question de l'imaginaire. C'est comme ça que Lacan pose cette question du mythe individuel du névrosé. On en a parlé au mois de janvier, à la conférence qu'on avait fait à la CERC avec Martin. Là, j'ai pas le temps
Y a Michel qui doit parler encore après moi. Je peux pas vraiment ouvrir ça. Alors, je suis obligé d'aller vite. Mais pour ceux qui s'en souviennent, rapportez-vous à ce qu'on avait dit à cette époque-là. En fait, le moi du fait du stade du miroir, le moi est en avance sur le sujet. C'est-à-dire que le sujet a toujours une relation anticipée à sa propre réalisation. Et ça, c'est un point qui est assez fondamental parce que c'est ce qui marque la fêlure et la déchirure de l'expérience de la mort. Alors là, je le dis très vite, mais ce texte, il vient à un moment où, à quel endroit Lévi-Strauss a reconnu Lacan? La première fois que Lévi-Strauss cite Lacan, c'est à propos de l'agressivité en psychanalyse, un texte que Lacan a écrit en 48. L'agressivité en psychanalyse, vous y retrouverez une des occurrences dans lesquelles il parle notamment des confessions de Saint-Augustin avec le drame de la jalousie primordiale, là avec le frère qui regarde son frère en train d'être allaité par la mère, le regard à cet endroit-là. Et ce que j'essaye d'introduire là, c'est l'expérience de la mort. Tu parlais du X, tu parlais de ce point-là dans le drame de la catharsis. C'est quand même Lacan face, parce que Lévi-Strauss, il a pu continuer à être lacanien quand il a pu se débarrasser de la question de l'agressivité. Or, Lacan, il s'en est pas débarrassé de la question de l'agressivité. Lui, il l'a inscrit dans son mythe individuel du névrosé. C'est le point de la mort, c'est le point de l'expérience de la fêlure, de la déchirure. Il l'inscrit entre le sujet et le moi. En fait, il l'inscrit comme la condition pour qu'il y ait un sujet face au moi, face à l'imaginaire. Et ce point-là, on le retrouve cliniquement. J'ai entendu une patiente un jour dire « Oh là là, j'ai toujours été suicidaire, mais là, mon père est en train de mourir d'un cancer. » Et comme je peux plus me suicider, parce que vraiment, là, ça serait moche de lui faire ça maintenant, eh ben, je n'arrive plus à penser à autre chose que de me suicider. J'ai trouvé ça, je veux dire, il y a deux façons de réagir à cet endroit-là. Soit vous l'hospitalisez en disant, ça y est, c'est fini, elle va se suicider, il faut l'hospitaliser, et ça chronicise les choses du côté de la psychiatrie. Soit vous dites, mais c'est le sujet qui parle. C'est le sujet qui essaye de se défaire d'une position moïque, imaginaire, dont il a du mal à se défaire. Et il y a toujours quelque chose à soutenir à cet endroit-là. Il n'y a pas à se débarrasser de l'agressivité en psychanalyse, etc., sur un mode structuraliste. Il y a à réussir à intégrer ça à l'intérieur du mythe individuel du névrosé. Alors, je vais très vite, juste pour finir sur la différence entre le mythe individuel du névrosé et le fantasme, hormis que temporellement, c'est un peu dur de s'y retrouver en 53. Moi, je crois que le fantasme, c'est la fonction qui permet qu'on puisse avoir de temps en temps des drames. Et que peut-être qu'une cure, c'est de partir d'un drame, d'en faire sa catharsis, et de dire, à la fin, peut-être, bah, finalement, c'était que, d'être presque déçu que c'était que ça, son petit drame personnel, finalement. Et de pouvoir, tu parlais de poupée gigogne, Liliane, de pouvoir, par l'opération structure, enfin par la fonction que représente le fantasme, rejouer un autre drame à un moment donné, à un autre endroit, à se refaire. On est obligé d'avoir un mythe individuel du névrosé pour être du côté de la névrose. On est obligé d'être pris dans ce drame, d'en faire la catharsis et d'en sortir. Mais par contre, le fantasme, lui, il est encore plus profond, c'est-à-dire que c'est une articulation dans les signifiants qui nous permet d'avoir différents drames dans sa vie. Voilà, c'est un peu, j'ai essayé d'aller vite. Hein. Merci Guillaume, oui Jean-Richard. C'est-à-dire, dans le texte que je disais à propos de la section clinique, ce qu'il dit, c'est que le mythe surgit à l'endroit de l'impossible à dire. C'est-à-dire, au fond, c'est une espèce de machin, et puis le mythe, c'est, tu racontes, comme tu dis, tu racontes une histoire. Tu racontes une histoire sur tes différents îlots que tu n'arrives pas à mettre ensemble. Alors, ce n'est pas encore un fantasme, je suis d'accord. Mais on est en plein dans le congrès quand même. Le mythe, c'est déjà une manière, tu tricotes un peu avec tes machins, là, tu te fabriques un espèce de mythe individuel. Ça me semble très important. Mais alors, il y a un autre point qui revient dans ce que chacun a raconté, mais qu'on ne dit pas. Et qui était Lacan, c'était son problème. Je ne sais pas si vous savez qu'il avait un problème gigantesque aussi. Là, il y a l'histoire de la femme riche et de la femme pauvre. Lui, il avait un problème formidable aussi. Il avait deux filles qui sont nées
en parallèle, en gros, si vous voulez, à la même époque, il y a une fille qui ne pouvait pas piffer et il y a une fille qui l'a piffée. Donc, il y avait Sybille Lacan et de l'autre côté, il y avait Judith. Vous voyez, ça veut dire on a l'impression qu'il y a cette espèce de... Voilà, c'était des filles, ça peut être autre chose que des filles. Mais voilà la question que je posais aussi à De Christé. Et là, toi, tu poses entre le mythe individuel et le fantasme, tu vois. On est toujours dans cette espèce de... C'est une schise, quoi. C'est la schise dans l'individualisation du névrosé. Il y a toujours une espèce de schise comme ça qu'il n'arrive pas à boucher, quoi. C'est ce qui fait qu'il est névrosé, quoi. Mais moi, je crois que ce qui est beaucoup plus optimiste, on voit la relation Lévi-Strauss-Lacan, c'est que le mythe, il continue, c'est ça qui est génial, il continue à faire son théâtre, quoi. Ça veut dire que tu continues à tricoter, tu fais une analyse, ça reste plus pareil, et puis tu tricotes un peu autrement, et puis le mythe, il va un peu se transformer, et t'en as d'autres. Il y a cette dynamique créatrice, là. Si vous me donnez un petit peu de temps lors de la prochaine vidéoconférence, je vous parlerai du mythe de l'authenticité. Voilà, c'était ce que j'avais préparé aujourd'hui autour de la question du mythe. La seule phrase que j'ajouterai, c'est que il y a dans ce texte charnière de Lacan, bien sûr, un paradoxe, puisque le mythe, par définition, est collectif. Les mythes sont les points de capiton de la parole. Si on peut parler, c'est que quelque part, des histoires, des légendes, des sagas, tiennent par des mythes. Le mythe étant le signifiant qui désigne ce qui existe et ce qui perdure grâce à la parole et qui permet que la parole existe et perdure. Voilà. Ça sera tout pour ce soir. Je suis obligé de vous quitter, je suis désolé. Merci Michel, et puis il y aura une prochaine fois. La prochaine fois, en priorité. D'accord. Bon, mais ça m'obligera, et là je vous en veux, à faire un texte pour les éphémérides, ça va me coûter. Ah ouais, dis donc. Eh oui, je voulais te dire. Je vous laisse, à bientôt. Merci Cyrielle pour ton aide et ta patience. Voilà, mais là je dois rendre à César ce qui appartient à César. À bientôt. À bientôt Michel. C'est nous qui devrions le remercier, ça va nous permettre de respecter presque l'heure. Philippe, veux-tu prendre la parole ? Ben, pas précisément là sur ce qui vient d'être dit, je crois que l'heure tourne et je voulais donner une information là sur ce que nous organisons à Apertura. Vous savez que les formations en présentiel là sont pour l'instant impossibles et donc on a décidé de réaliser la prochaine, donc qui devait avoir lieu le 26 juin en deux demi-journées par Zoom. Comme on est en train de le vivre en ce moment. Donc ça sera des séances qui dureront 3 heures, donc le vendredi 19 de 9h à 13h, 9h à midi et demi, quoi. Et le deuxième, le vendredi 26, l'après-midi cette fois, donc de 14h à 17h30. Nous essaierons de couper ces demi-journées pour faire parler 3 orateurs par demi-journée. Voilà. Donc, nous vous informerons par mail des modalités précises. Et ce que nous envisageons aussi de faire, c'est de préparer ces réunions par une séance préalable auxquelles vous pourrez vous brancher. Les gens qui assisteront pourront se brancher et vérifier que leur matériel est compatible avec ce que nous organisons. Voilà, donc toutes les informations suivront par le mailing. Et bien sûr, je vous invite nombreux à ces deux demi-journées qui auront lieu en juin. Rappelle-lui le titre. Quel est le titre des journées, dis-lui. Le thème, c'est famille contemporain. Donc, on est un petit peu dans une séance proche de ce qu'on vient de discuter. Voilà, juste un mot, moi, en tout cas, par rapport aux trois dernières interventions.
Le paradoxe de ce que soulève Michel Patrice, c'est il n'y aurait que de mythes collectifs. Or, on a parlé aujourd'hui du mythe individuel. Donc, ça poserait la question, quid du mythe individuel, que puisse-t-il dans le mythe collectif? Et on va dire aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau des informations, c'est une vraie question. Mais ça a été un peu répondu aujourd'hui. Et un autre point quand même, c'est dans le manque, dans le vide, dans l'impossible à dire, qu'est-ce qui vient tenter de boucher cela? Est-ce que c'est notamment le mythe? Voilà. Cyrielle, je te passe la parole et merci à tous de votre présence et de vos contributions. Il est possible que les participants posent des questions s'ils le souhaitent, qu'ils prennent la parole. On a le temps un peu? Alors, nous ne sommes pas limités au niveau technique, personne ne peut rien fermer la salle. Donc, ceux qui doivent partir peuvent quitter la réunion. Voilà, et puis on peut continuer. Si certains veulent poser des questions, c'est possible. Ouais. Donc, soit en prenant la parole, en ouvrant le micro, ou en écrivant la question dans le petit espace de conversation, comme vous préférez. Vous avez démarré la séance en annonçant cette qui amenait du post-traumatique hein, devant cette menace de mort qu'est cette pathologie virale. Et puis, s'enchaîner toute la question du mythe individuel. Et Liliane vient de dire que finalement, dans l'impossible à dire, qu'est-ce qui va venir pour permettre de boucher cela, et ça pourrait être le mythe. Et il me venait sur la question de la mélancolie, une association de pensée qui est peut-être complètement délirante, hein, mais je voulais dire que dans la mélancolie, c'est impossible finalement, en lien avec ce que disait Ruth, c'est impossible du meurtre de l'ourfateur qui peut être dans l'énigme, hein, et qui va se renverser sur le moi, hein, comme un désir de mort qui revient sur le moi, et qui par la mort tenterait comme ça une trouée, un manque, comme un désir de vie qui ne pourrait être bouché que par la mort. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Est-ce que je voulais dire, je vous parlais de... Hein, je peux, on entend là quelque chose? Oui. Est-ce que je voulais dire, ça te rend très bien la suite de mon propos qui a l'air un peu anecdotique, mais c'est la position de Sybille Lacan, justement, ce que vous dites. Il faudrait que vous lisiez, elle a écrit un truc, vous le connaissez ce texte? Il s'appelle « À mon père ». D'accord. Où elle parle de sa position mélancolique par rapport au père, justement. C'est vrai que, moi, je dirais que le but d'une analyse qui serait, soi-disant, une vraie analyse dans les bons cas, ça serait de supporter justement cette faille du réel qui n'est pas franchissable. Voilà. Oui. Moi, je crois que ça serait ce qu'on appelle castration. Les gens, ils savent pas trop ce que ça veut dire. C'est ça, c'est-à-dire de supporter qu'il y a des endroits qui sont des gouffres qu'on ne va pas réussir du tout à combler et qui peuvent rester comme un gouffre dans un coin. Et la position en général du mythe, vous avez tout à fait, je crois que vous avez bien, très bien entendu, c'est, je crois que le mythe, en général, il est à l'envers. C'est-à-dire, il utilise le fantasme du sujet pour créer un mythe. C'est ça. Parce que ça vous permet d'en construire un nouveau truc. Vous pouvez tomber amoureux, vous pouvez refaire un match, devenir religieuse, n'importe quoi. Mais c'est à l'envers en général. C'est-à-dire, c'est à partir du fantasme, vous pouvez créer des nouveaux. C'est ce qui fascine Lacan par rapport à Goethe. Goethe, ben, il arrive à faire du Goethe avec ses fantasmes. Vous avez vu, l'autre n'a pas le droit d'embrasser. Putain, il a l'oracle qui lui tombe dessus, comme disait, hein, catastrophe, quoi. Il n'a pas le droit d'embrasser. Pour une fois, il a réussi à peu près à embrasser. Ça n'a pas duré très longtemps. Il faut qu'il se déguise. Hein, qu'est-ce qu'il en faut? Il faut qu'il porte des gâteaux. Il faut qu'il se déguise, qu'il change de... Voilà. Donc, ça veut dire, en général, c'est la démarche à la... Mais vous avez tout à fait raison. Il y a des positions, et c'est là, ça c'est vraiment le travail très important dès qu'on travaille dans ce champ analytique ou pas. C'est comment on repère
repérer qu'il y a des gens qui passent par des positions mélancoliques. Et la position mélancolique, au lieu d'essayer de trouver un objet qui, vous l'avez très bien dit, eh ben, il se bousille le peu d'ego qui restait, il se retrouve en petit morceau. Alors, c'est pour ça que moi, je suis très en colère par rapport à, on est entre nous, hein, personne n'entend, par rapport à la psychiatrie, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on enlève, on peut parler des bipolaires, des tripolaires, de ce côté borderline, la mélancolie, c'est une dynamique à part qu'il faut savoir repérer. Et si on ne le repère pas cliniquement… Et il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Et il y en a, et il y a des noyaux. Il y a beaucoup de gens qui ont des noyaux mélancoliques. Oui. Et on les a beaucoup entendus. Là, et il faut les... et ça fait partie, même chez le névrosé. Donc, c'est des choses très, très importantes, ça. Mais juste si j'ai encore deux secondes, par rapport à cette question justement du fantasme qui rejoint le mythe, est-ce qu'on ne peut pas dire que dans le suicide du mélancolique, c'est cette façon d'emmener avec lui finalement ce réel de la mort qui est justement à la place de l'énigme du X? L'histoire de la mort dans la mélancolie, c'est à l'envers. C'est-à-dire, ça repose en général, le moment mélancolique repose sur le contraire. Et c'est ça que la psychiatrie ne le repère pas. C'est quand même tristouné, parce que tous les cliniciens l'ont repéré. C'est que les gens qui sont mélancoliques, ils ont le délire d'être dans l'immortalité. Et que pour redevenir mortel, il faut se suicider pour devenir mortel. C'est pas à l'envers, quoi. C'est pas qu'ils ont... Alors, si vous repérez pas la différence entre, vous voyez, entre le fait que j'ai envie, j'ai pris 3 médicaments parce qu'il m'a laissé tomber, ça n'a rien à voir. Oui, c'est le fantasme du mélancolique, il existe, ou du moment mélancolique, mais encore faut-il savoir ce que c'est un fantasme, quoi. Non, c'est des vraies questions de clinique de base. Hein. Il y a des gens qui font des analyses comme il faut quand même, et à un moment donné, ils font un moment face à quelque chose qui leur tombe sur la tête, ils font un moment mélancolique. Hein. Ce n'est pas qu'ils sont des mélancoliques. Regardez là, avec le déconfinement. Le déconfinement, moi, je suis absolument sidéré par le fait que les gens, au fond, avec quelqu'un qui est déjà sous transfert, comme le disait chacun, il transfert avec quelques mots, il a tenu le coup, quoi. Il continuait. Alors que le déconfinement, on continue, quoi. Comme les dessins animés, vous savez, ils continuent à sauter, on continue à marcher en dehors, même s'il n'y a plus rien dessous, quoi. Mais le problème, le déconfinement, c'est autre chose. Vous voyez, par le déconfinement, vous laissez la personne face au fait qu'il va falloir se réadapter avec quelque chose. Par exemple, à sa famille, par exemple, à sortir. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, le plus dur pour l'humain, c'est de s'adapter à une nouvelle situation. Si la situation reste la même pour tout le monde, c'est pas grave, on aurait pu encore continuer. Ouais, mais dès qu'il s'agit, comment je vais m'adapter avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Maintenant, quoi, j'ai de nouveau le droit de sortir avec les copains, là? Qu'est-ce que j'en fais? Oui, vous entendez? C'est ça. Et ça, c'est l'envers de la question mélancolique. Et par rapport à l'analytique. Oui. L'analytique, il vous permet, écoutez, vous arrivez en merde, tout, rien ne va, quoi. Et voilà, rien ne va, quoi. Tout est foutu, mais c'est pas avec ça, bon, c'est pas très grave. On va voir. La position mélancolique, c'est pas ça. Hein. C'est déterminant. C'est pas ça. Il y a le religieux entre les deux, voilà. Je commence. Le religieux, il essaie de se démerder avec tout ça. Avec le mythe, le fantasme, la croyance de l'immortalité, quand même. Les gens, ils n'ont pas l'habitude de la mort. Ils ne connaissent pas. Hein. C'est impossible de penser la mort réelle. Sa propre mort réelle. C'est dur, hein. Des rencontres compliquées. Voilà, si c'est signifiant d'une rencontre compliquée. Si vous avez, alors à ce moment-là, vous pensez à la mort. Mais penser à la mort, ça n'a rien à voir avec la mort. Voilà. Merci beaucoup. Non, non, c'est moi qui vous remercie. Vous avez bien entendu. Oui, donc, voilà. Donc on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé au séminaire. Rendez-vous dans 2 semaines à nouveau pour le dernier séminaire de l'année.
qui s'appelle la place du mythe dans la psychanalyse, je crois, d'ailleurs. La cure analytique, oui. La cure analytique. Et quelle date, ça? C'est dans 15 jours. Dans 15 jours. Ah, ben voilà. Le 14 juin, si ma mémoire est bonne. Le 12 juin, je crois, oui. Et ben voilà. Oui, non, le 12 juin, oui. Donc, on vous enverra à nouveau les identifiants pour pouvoir vous connecter. Voilà. Par ailleurs, il y aura aussi des conférences à la librairie Kléber. Ah oui, c'est vrai, ça. Sur la page Facebook de la librairie Kléber. Ce sera le samedi 13 juin à 15h et le samedi 27 juin à 17h. Donc, deux conférences autour de la parution du livre de Jean-Richard Frémann, Amour et transfert. Un peu de gaieté, un peu de gaieté. Hein. Voilà. Et avec un dialogue avec Marcel Ritter. Intéressant. Le 27 juin, oui. Voilà. Bon, voilà. Bien, merci à tous et à bientôt.